tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta Psaume chapitre 34, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 34. Nous lisons la parole de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie
qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses, de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Rendu notre Père, c'est merveilleux lorsque nous pouvons entendre les paroles de ces cantiques, mon bien-aimé Seigneur, recevoir. Nous sommes vraiment heureux. Merci parce que nous sommes le troupeau que ta main conduit et nous sommes rassurés et vraiment nous nous reposons vraiment dans le vert pâturage. Et c'est toi qui nous conduis, bien-aimé Père Saint. Merci vraiment pour cette soirée encore, mon bien-aimé Père, oh Dieu, depuis le jour où nous avons commencé ces réunions, tu as toujours été là. Seigneur, tu nous donnes la force davantage pour moi, tu nous secours et tu nous soutiens, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, tu guéris vraiment les malades, mon bien-aimé Patrisson, et oh Dieu, tu enlèves tout le poids sur nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, tu nous allèges de tout, mon bien-aimé Patrisson, les fardeaux, parce que réellement, nous expérimentons des choses tellement grandioses avec toi. Oh, combien nos cœurs sont tellement heureux et aussi dans la joie de pouvoir réaliser que c'est vraiment bon de pouvoir demeurer dans la prière, dans ta présence, mon bien-aimé Seigneur. Oh, Dieu d'Abraham, que nous avons encore davantage des moments bénis comme ceci, Père, parce que nous voulons vraiment vivre ta parole à toi, Père. Oh, tu nous soutiens, tu nous consoles et tu nous montres combien tu es tellement si grand, Père. Aide mon frère, aide ma sœur aussi à ce que son cœur, c'est encore l'occasion qui s'ouvre encore davantage, mon roi. Oh, Dieu, comme la parole de Dieu l'épêtement, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est bien le moment où tu te trouves, bien aimé Père Tubissant, oh Dieu. Nous voulons vraiment expérimenter encore davantage le changement que tu veux que nous puissions avoir dans notre vie, mon bien aimé Père Saint Dieu. Ne plus être ce que nous étions, bien aimé Père Tubissant, mais que nous puissions tendre à ce que toi tu veux que nous soyons. Au jour le jour, avoir vraiment des progrès davantage, mon bien aimé Père. Que ton Saint-Nom soit béni. Béni mon frère et béni ma soeur aussi. Nous pensons à soi, à ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits où ils peuvent se trouver encore, Père Saint Dieu. Merci encore pour tous ceux que tu appelles, que tu attires encore davantage et tous ceux que tu touches encore le cœur, tant dans différents pays où ils peuvent écouter la parole à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu fais vraiment des merveilles et des prodiges, mon roi. Ton nom est vraiment grand dans le monde entier, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous rendons compte que tu es vraiment tout-puissant, Seigneur. Tu touches le cœur, tu sauves, tu ramènes, tu convaincs les âmes, mon bien-aimé Père du Bisson, pour que celles-ci puissent réellement réaliser le besoin de pouvoir t'avoir dans leur vie, Seigneur, que ton nom est vraiment grand. Merci pour le chant des cantiques, mon Père Saint-Dieu. Merci aussi pour les
psaume, nous l'avons entendu, Père Saint-Dieu, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Nous sommes de ceux-là qui te désirent encore davantage, mon roi. Sois aussi avec nous encore, Père Saint-Dieu. Ne laisse pas, nous avons besoin de toi. Bénis nos frères et sœurs, bénis tout ton peuple encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni, notre Père Seigneur, et qu'il soit glorifié aussi pour tout ce qu'il fait pour nous et au milieu de nous aussi. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement pour aussi votre persévérance. Et c'est toujours merveilleux. Au fur et à mesure que les jours passent, nous réalisons combien c'est vraiment très important pour nous de pouvoir être ensemble et surtout de pouvoir aussi avoir ce désir puissant dans notre cœur que le Seigneur fasse son travail. Nous voulons donner effectivement aussi au Seigneur la possibilité de pouvoir trouver dans nos cœurs effectivement aussi les désirs de ce qu'il puisse vraiment faire ce qu'il veut. Qu'il puisse accomplir sa volonté dans chacun de nous et que rien à l'intérieur de chacun de nous ne puisse faire obstacle ni objection à ce que Dieu veut faire. Nous voulons être comme il l'a dit dans sa parole, créé donc à son image. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons comme lui, il veut, c'est-à-dire à son image. Donc il doit nous travailler et nous façonner davantage, effectivement, pour que son reflet puisse aussi, effectivement, aussi être reflété sur chacun de nous. Pour que dans ce monde aussi où nous sommes, comme l'apôtre Paul a dit aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que cette parole aussi puisse aussi s'accomplir dans tout un chacun de nous. Que, pas que nous le disions nous-mêmes, mais que ceux qui nous regardent aussi puissent voir Christ au travers de nous. Qu'on ne voit plus nous, mais qu'on voit réellement Christ au travers de chacun de nous. Et cela est possible. C'est pour ça que des hommes comme nous, quand on les a vus donc à Antioche, effectivement, on les a appelés des chrétiens. Parce qu'on voyait que les actes qu'ils posaient étaient vraiment semblables à ces Jésus-là, que les hommes ont pu voir effectivement aussi. Nous prions Dieu de tout notre cœur, nous le supplions vraiment qu'il se sente libre de faire un travail, le travail qu'il veut dans tout un chacun, qu'il déracine vraiment et qu'il nous martèle comme il le veut, afin qu'il n'y ait plus de résistance. Et que, comme la Bible l'a dit aussi, lui dit, mais s'il consent à donner sa vie, il verra une postérité. Et là, il va donc prolonger ses jours. Que le Seigneur prolonge ses jours donc, au travers de chacun de nous, effectivement, parce qu'il doit encore œuvrer, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Nous prions que le Seigneur puisse vraiment se saisir de chacun de nous, et surtout que, reconnaissant ce que nous sommes, nos postes de devoir que Dieu nous a placés, que nous puissions donner davantage le meilleur de ce que Dieu attend de nous. Parce que si je suis là, je dois donner quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'étant dans la maison du Seigneur, j'ai quelque chose que je dois donner au Seigneur. Je ne parle pas de l'argent, je parle de vous-même, je parle de tout un chacun de nous, effectivement, ce que nous voulons que nous soyons vraiment aussi de ceux qui participent davantage, afin que la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Ce que nous cherchons, ce que nous désirons aussi, que les hommes à l'extérieur connaissent Dieu. Comment pourront-ils connaître Dieu? Mais ce qu'ils veulent voir, comme les Grecs disaient, nous voulons voir Jésus. Aujourd'hui aussi, les hommes sont pareil aussi, ils veulent voir Jésus. Mais nous savons qu'il est ressuscité. Amen. Qu'il est monté. Ouais, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Mais les hommes veulent le voir quand même. C'est pour ça qu'il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Pour habiter où? Dans les arbres? Non. Pour habiter en toi et en moi, afin que les autres qui sont dans la rue, qui cherchent à pouvoir voir Jésus, alléluia, que quand il te voit et toi, il dit, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu dans la personne. Cette personne est différente des autres.
nous soupirons après cela. C'est pour ça que nous nous rassemblons pour que le Seigneur fasse vraiment un travail dans chacun de nous. Nous l'avons dit, frères et sœurs, que toutes ces réunions que nous passons ici, vous ne pouvez pas sortir d'ici toujours la même personne. Non, ce serait triste. Ce serait une perte de temps. Je dois sortir effectivement de ces réunions, avoir reçu quelque chose. Et puis quand je rentre à la maison, je dis, Seigneur, merci que tu aies permis que je sois là et que nous puissions avoir toutes ces réunions. Parce que maintenant, comme je pouvais dire, comme Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil aussi t'a vu. C'est pour ça que je me repens. Nous avons besoin de cela, en fait. Et le Seigneur veut aussi le faire. Et c'est un désir profond. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, et c'est très touchant parce que dans les saintes écritures, on nous dit, parce que à ce jour-là, je crois que lorsque l'apôtre Pierre a prêché, ce qui est extraordinaire, on nous dit 3000 âmes. Donc 3000. C'est vraiment extraordinaire quand on voit cela. Vous voyez, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'endroits, il y a tellement de gens, beaucoup dans la foule, effectivement, qui viennent, les gens sont là, ils sont tellement nombreux. Mais vous savez, vous tous, qu'effectivement, que ce n'est pas la foule que Dieu cherche. Dieu cherche... C'est là le cœur que Dieu cherche. C'est la qualité, en fait. Pas la quantité. Oh, ils en font donc la course pour dire que nous sommes plus nombreux, nous sommes plus nombreux. En fait, il y a trop de ramassis. Regardez, le jour de la Pentecôte, c'était un jour tout à fait particulier. Pierre s'éleva et il a prêché un sermon. Par ces sermons-là, la Bible dit que le cœur de ceux qui avaient été là, qui étaient là donc, a été vivement touché, l'intérieur. Que Dieu nous aide à ce que notre cœur ici puisse toujours être là pour que Dieu fasse son travail. Que la parole de Dieu perce l'intérieur de notre cœur. Le problème, c'est toujours ce cœur ici. C'est toujours là, le cœur. Toutes les choses aussi mauvaises sortent d'ici. Là, toujours. Alors, le cœur vivement touché, ils ont décidé de pouvoir tout abandonner et de pouvoir vraiment recevoir ce que ce Dieu-là voulait leur donner. Pierre leur dit ce qu'il fallait faire. Et on nous fait comprendre qu'effectivement, qu'ils étaient au nombre de 3000. Alors, comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 100, 200, 300, 400, 500, puis 1000. Et puis, vous ajoutez 2000. Et puis vous êtes encore 3000. Vous me suivez? Amen. Ok. La Bible nous dit, dans le chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru, il n'y avait pas de comédiens. Parce que quand la Bible dit cela, c'est la vérité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, 3000 âmes. Tout, oh, que Dieu nous aide. Tout c'est, et nous, nous sommes, je ne vais pas compter, moi je compte jamais, mais je dis, mais regardez-nous ce que nous sommes. Un petit groupe. Même pas 1000. Mais comment nous sommes? Comment nous sommes? Frères et sœurs, si avec 3000 c'est possible, mais avec le 20, c'est aussi possible. Nous pouvons être d'une même âme. Oui, un même cœur ayant le même désir. Mais ça dépend maintenant. Quelle disposition vous avez, vous? Parce qu'avec Dieu, tout est possible. C'est pour ça que j'ai dit, frère, vous êtes venus, nous avons commencé ces réunions pour l'amour de Dieu.
ne sortez pas de ces réunions avec la même nature que vous aviez, avec la même façon de faire que vous aviez. Frères et sœurs, c'est peut-être, ça sera peut-être la dernière fois pour vous. Ça sera la condamnation pour vous. Priez Dieu. Parce que c'est lui qui nous transforme. Remarquez comment il nous parle. Hein? Donc, il faut bien écouter. Hein? Au fur et à mesure que nous avançons, il nous parle, frère. Il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Combien de Nicodème nous n'avons pas ici? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est nécessaire que chacun de nous puisse saisir cette occasion et qu'en venant, qu'il puisse réellement réaliser que ce n'est pas des moments simplement que je viens par présence. Non, je viens parce que je vais avoir quelque chose. Mais vraiment qu'il soit puissant et nouveau dans lequel, avec lequel je dois rentrer dans cette nouvelle année. Et pour moi, je dis, Seigneur, si je commence cette nouvelle année, je vais commencer cette nouvelle année avec toi, de bonnes dispositions aussi. C'est vrai, nous lisons si souvent, mais il faut qu'en certain moment, que ça soit vrai aussi. Que je sois comme celui qui est venu au Seigneur. Vous vous souvenez, le premier jour où nous avons reçu le Seigneur? Ces jours-là, on avait décidé d'abandonner tout. On ne s'occupait pas de la voisine, du voisin, on s'occupait de soi-même. L'amour de Dieu étant déversé en nous, nous pleurions, nous étions là, nous pensons à rien, peu importe ce qu'il était. Vous savez cela, non? Eh bien, c'est ces sentiments-là que nous voudrions avoir, Seigneur. Redonne-nous ces jours heureux quand le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 15, nous voulons lire cela. Et Corinthiens au chapitre 15, pour lire, voilà, c'est ça. Oui. Pardon, oui, c'est ça, oui. Alors ici, au verset 1, du déclaré comme ça, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui nous fait part de cela. Il nous dit, je vous rappelle donc, frères, que l'évangile que je vous ai donc annoncé, que vous avez donc reçu et dans lequel vous avez persévérer et par lesquels vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci de ces temps et des moments que tu nous donnes, que nous voulons vraiment saisir encore ces occasions, Père Dieu, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Que nous soyons des hommes et des hommes, des femmes qui ont réellement aussi été donc touchées et que quand on pouvait le voir à l'extérieur, on regardait effectivement leur face, leur visage était rayonnant de joie, mon bien-aimé, pâtissant. Et c'est là, les gens pouvaient se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils ont été dans ta présence. Mon Dieu, nous voulons aussi vivre ces choses parce que tu es toujours le Jésus présent. Nous voulons te dire que tu es le même hier, tellement parce que tu l'as dit, Père Saint-Dieu. Aide-nous encore, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voilà que cet homme, comme nous l'avons eu à pouvoir toujours le dire, il nous fait part de quelque chose qu'il a voulu donc que nous puissions arriver, je parle de le peuple de Dieu effectivement, et prendre conscience de cela afin que nous ne soyons pas d'une manière désinvolte avec les choses qui concernent Dieu quand elles sont donc exprimées. Il dit, lui, se tenant là, se présentant effectivement lui-même, l'apôtre Paul, comme vous savez, comment les Écritures ont déclaré de lui, et puis comment chaque fois qu'il commence l'épître, effectivement, peut-être prendre ici, hein, donc il dit par exemple ici, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et puis bon, si on prend encore un peu plus loin, il dit encore, verset 1 de nos chapitres 1 des Galates, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort ainsi dessus. Donc il s'est présenté effectivement, et faisait part aussi effectivement aussi à son ministère, à son apostolat, pour que ceux qui sont donc Dieu puissent réellement réaliser effectivement que
la tâche et aussi la responsabilité qu'il a. Il avait raison de pouvoir s'y référer effectivement à chaque instant. Aussi parce que les témoignages avaient donc été rendus en fait, et le peuple avait donc le témoignage que ceux auxquels en fait la parole de Dieu est venue, c'était que des apôtres que le Seigneur a eu à pouvoir appeler parce qu'ils étaient donc avec lui. Et aussi quand donc Paul a été donc choisi par le Seigneur, effectivement, qu'il a donné aussi ce ministère, il était aussi nécessaire aussi qu'il puisse arriver à pouvoir montrer au peuple de Dieu, effectivement, auprès desquels il avait été donc envoyé, en fait, réellement, c'est qu'il était donc un envoyé du Seigneur. Et qu'il n'est pas venu effectivement de lui-même comme ça, parce que c'était lui qui était donc, qui persécutait l'Église effectivement, et qui combattait même ceux qui croyaient en cette parole effectivement. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur lui est donc apparu et il l'a envoyé donc pour qu'il annonce donc l'Évangile. Ainsi que pour ceux qui étaient donc de croyants, qui avaient eu à pouvoir avoir ce témoignage, à savoir effectivement comment est-ce que l'évangile a commencé à être prêché, effectivement, comment ça s'est passé. Donc, ils sont référés effectivement aussi aux apôtres. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il dit une chose ici dans les livres de Galates. Je pense que c'est cela. Oui, Galates 3 peut-être. Je pense que oui, nous pouvons toujours voir aussi. Voilà, c'est la Galates. Non, mais, oui, voilà, Galates au chapitre 2, hein, il dit ceci, demain. Il dit, mais 14 ans après, je montais donc de nouveau à Jérusalem avec Barabbas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que je montais, donc je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Vous avez compris, non? Enfin, ceux qui sont le plus considérés. Et puis, il fait savoir, effectivement, c'était donc Pierre, effectivement, Jacques, comme il est dit, effectivement, beaucoup plus loin, effectivement, que l'évangile, parce qu'au contraire, ayant voyé que l'évangile m'a été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis, ainsi. Donc, c'était donc le colonne. Et que le peuple devait savoir, savait, effectivement, que comme le jour de Pentecôte, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, effectivement, que si Pierre, quand il a prêché l'évangile, on pouvait remarquer effectivement ce que cela a produit en fait dans le cœur de ceux qui étaient venus. Alors, cette action qui était tellement si puissante, effectivement, parce que Dieu, le Seigneur, agissait, parlait, et effectivement aussi la puissance transformait, parce que Pierre avait quelque chose de particulier que Dieu avait dit. Il a dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera donc délié aussi dans les cieux. Donc on a pu voir qu'effectivement, que ce qu'il a déclaré ces jours-là, Dieu a pris acte effectivement, et tous ceux qui étaient donc prédestinés et ont eu à pouvoir entendre, quand ils ont entendu effectivement, ils ont réalisé qu'effectivement, que là c'était l'autorité de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont posé la question, disant, mais oh homme frère, que ferons-nous, effectivement, parce que l'intérieur brûlait. On sentait la puissance qui était là, à l'intérieur. Et on voyait Dieu en action, effectivement. Parce qu'ils disaient, mais comment est-ce possible? Ce sont des âmes comme nous, des Galiléens, on sait, effectivement, qu'on se sont des gens qu'on méprisait, parce que bon, ils étaient dans cette chambre, parce qu'ils étaient avec ce Jésus-là. Alors on dit, mais ce qui est extraordinaire, on pensait qu'ils étaient ivres là-bas, qu'ils buvaient du vin quand ils étaient enfermés. Non. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils parlent, ils parlent dans leur langue galiléenne, mais chacun de nous, nous les entendons effectivement dans notre langue maternelle. C'est quand même extraordinaire, frères et sœurs, c'est qu'une personne parle le français, tout le monde l'entend dans la langue Tiluba, les Kikongo, les Kiyakad, tout ce qu'on peut imaginer, effectivement. Donc, chacun dans sa langue maternelle. Donc, on n'a pas besoin d'interprétation. Donc, il dit, mais c'est ce que ce sont des hommes ou qui que ce soit. Donc, c'était vraiment. Il dit, mais c'est pas possible. Il parle dans sa langue, toi, tu l'entends dans Kiyaka, Kikongo, néerlandais, français, allemand, je ne sais pas, en tout japonais. Donc, il dit, mais c'est pas possible. Donc, les Japonais entendent au Japon. Les Bayaka entendent dans Kiyaka. Les Bakongo entendent dans Kikongo. Les Flamands entendent dans néerlandais. Une seule personne qui parle. C'est quelque chose d'impressionnant. Alléluia.
Donc c'est dit qu'il le regardait et dit, mais où est-ce que nous sommes? Et on voit l'homme qui s'était là, mais avec assurance. Et c'était la chose qui travaillait. Il dit, alors, à ce moment-là, Dieu est parfait. Quand il veut attirer l'attention de son peuple, il fait quelque chose de tellement puissant. C'est la tactique de Dieu, en fait. Parce que ce qui est important, c'est que votre attention soit attirée. Parce qu'à ce moment-là, Dieu veut parler. Et c'est ainsi qu'effectivement, que lorsque Pierre donc se leva, donc il dit, voyez-vous vous-même, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici, l'accomplissement de ce que Dieu avait dit dans Joël, au chapitre 2, dans les derniers jours, dit Dieu, vous le voyez, oh j'aime cet homme, vous le voyez, et comment c'est, quand Dieu avait parlé, mais si vous le voyez là, les Saint-Esprit, donc, comment vous vous doutez, les hommes étaient dans une atmosphère de crainte, de respect. C'est ainsi que la puissance de Dieu a touché le cœur et ils ont donc reçu donc cette parole. Donc ils avaient les témoignages qu'effectivement que ces hommes ici, ils ne sont pas comme les autres. Donc c'était quelque chose qui avait comme une marque qu'on a imprimée en fait dans chacun d'eux. Il dit, alors là, c'est pour ça que la Bible dit effectivement qu'ils persévéraient. Amen. Ah oui, parce qu'ils ont réalisé qu'effectivement qu'ils ne sont pas comme les gens du Sanhédrin. Non, c'est qu'on voit réellement que Dieu était dedans et puis et la manière dont il parle de Dieu, c'est tout à fait différent aussi. Et que la vie entre effectivement. Parce que, frères et sœurs, c'est tellement si merveilleux, dans ce sens que nous l'avons entendu avec vous aussi tout à l'heure, il dit, mais et 3000 âmes, ils étaient là, comme vous voici, ils entendent tous la même parole. Et dans ces mêmes paroles qu'ils ont reçues, effectivement, de bon cœur. J'aime Dieu, hein? J'aime la parole de Dieu. Il dit, mais ceux qui reçurent de bon cœur la parole, on dit, non, toujours de bon cœur. Toujours un cœur qui est disposé. Et c'est quand vous avez un bon cœur que la parole de Dieu fait son travail. C'est pour ça que quand nous venons dans la maison du Seigneur, ah, mettons-nous d'abord à genoux, Seigneur, pardonne, Seigneur, nous avons mal marché, j'ai mal fait, Seigneur, libère mon cœur, parce que je vais dans ta maison, maintenant que tu sèmes la semence. Alors là, c'est tellement important pour chacun de pouvoir réaliser effectivement que là, dans le cœur, si mon cœur est quand même ouvert, et quand le Seigneur va s'aimer sa semence, c'est sûr et certain que ça doit produire. C'est comme cela que 3000 âmes et tous... Quand ils ont reçu la parole, ils étaient devenus comme un seul homme. Vous voyez ce que ça produit, effectivement. C'est-à-dire que un seul homme, ça veut dire qu'ils ont quand même le même pensée. Nous l'avons souvent entendu ici. C'est-à-dire que lui, il a le désir de pouvoir donner à moi. Moi, j'ai le désir de pouvoir donner à lui. C'est extraordinaire. Alors, vous savez... La Bible nous dit que dans les derniers jours, vous savez que les hommes seront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Mais vous voyez que les jours de Pentecôte, il n'y avait pas d'égoïsme. C'est ce à quoi Dieu veut que nous tendions, en fait. Toi et moi, qui nous disions enfants de Dieu, que nous ne puissions pas être des égoïstes, que nous ne puissions pas être des fanfarons, des blasphèmes. Non, parce que toutes ces choses-là, ce sont ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une épée à deux tranchants. Elles sont de leurs reins et le cœur, effectivement, ils pénètrent en moelle et jointure et séparent. Vous connaissez, non? Et révèlent donc les secrets donc, du cœur. Donc, si elle pénètre au-dedans de toi, elle fait son travail. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus avoir des pensées des comme ce que le monde produit maintenant. Donc, on me dit. Rappel à leurs parents, fanfarons, blasphémateurs, irréligieux, insensibles, déloyaux, ayant le plaisir du monde, des siècles, plus que Dieu, hein, régnant donc ce qui en fait donc à la force. Que personne ne se retrouve dans ces conditions-là, parce que si vous vous retrouvez dans ces conditions-là, ce n'est pas trop tard. Le
le Seigneur est capable de pouvoir réellement. Donc, revenons donc. Donc, on voit qu'effectivement, que, ayant reçu la parole, elle a produit en fait, parce que c'est la même parole. Vous vous souvenez quand nous disions tout à l'heure, enfin, quand nous disions dans Matthieu 7 et 13, la Bible nous fait comprendre que la parole qui est tombée sur les pierres, effectivement, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, le soleil vient et puis sèche. On ne produit rien. Mais celle qui est tombée dans la bonne terre, vous connaissez, hein? Elle produit encore un cent, vous connaissez, non? En fait, celle qui est tombée sur les pierres et celle qui est tombée sur la bonne terre, c'est toujours la même. Bien sûr. Bien sûr, mon frère et ma soeur, je vous l'ai toujours dit, parce que le semeur, c'est qui? C'est le semeur, c'est le Seigneur Jésus, non? Pouvez-vous imaginer que le Seigneur Jésus qui est dans sa gibecière, en fait, deux semences? Il n'a seulement qu'une semence. La semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, elle est semée, une partie tombe sur des... Matthieu 13, 25, parce que regardez bien, c'est ce que vous devez comprendre. C'est important que vous puissiez comprendre cela. Alors, il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et puis, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée. Vous entendez cela? Et sécha, faute donc des racines. Une autre partie tomba donc parmi les épines. Les épines montèrent et elles étouffèrent. Une autre partie tomba donc dans la bonne terre et donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puis maintenant, il explique effectivement à ce qu'il en est, effectivement, parce que dans Luc, au chapitre 8, c'est quand il dit, il fait comprendre que la semence, donc, c'est la parole de Dieu. Il nous explique comment est-ce que la parole de Dieu, qui a la puissance de pouvoir transformer quelqu'un, changer votre vie, eh bien, elle perd cette puissance-là. C'est pas qu'elle n'a pas la puissance. Elle a la puissance. Mais c'est toi qui la rends impuissante. C'est pas moi qui dis cela. C'est le Seigneur, quand il parle, effectivement aussi, il donne, effectivement aussi, il produit verset 36. 13, 36, il dit, alors il c'est vraiment pas possible, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Ça c'est en rapport avec les livrets des champs. Oui, c'est. Mais alors, en rapport avec c'est au verset 15, c'est parce que là je suis allé plus loin. C'est au verset 15, c'est verset 15, 17. Verset 18, il dit, vous donc écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long donc du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas des racines en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est lui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse, en fait. Mais la parole de Dieu ne change pas. Mais le problème, c'est l'endroit où elle tombe. Oui, parce que nous l'avons entendu hier, et il nous a dit, à ceux qui l'ont reçu, il faut que ça soit dans le cœur. Nous retournons dans le livre que nous avons dit. Alors, l'apôtre Pierre, et l'apôtre Paul, il nous fait savoir ici, il dit que, au verset 3, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. » Et cela est quelque chose de tellement si important, que cet homme de Dieu nous parle effectivement avec une telle assurance qu'effectivement, qu'en disant que je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Donc je ne pouvais pas vous enseigner sans avoir reçu. Est-ce que vous suivez?
C'est pour ça que il dit que je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, hein, dans lequel vous avez persévéré, hein, par lequel vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai donc annoncé. Donc il était certain, effectivement, de ce que lui, il annonçait. Parce que, comme vous vous souvenez, nous l'avons cité, peut-être nous ne l'avons pas lu, effectivement, mais la Bible nous fait comprendre qu'effectivement, que les jours de Pentecôte, ceux qui reçurent le bon la parole, il disait qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pour quelle raison? Effectivement, c'est parce qu'ils avaient vraiment réalisé qu'effectivement, que ces hommes-là, ils avaient réellement la chose. Parce que quand on les a entendus, comme on a entendu Pierre, et même ceux qui étaient là, effectivement, on a entendu Pierre parler, on a réellement réalisé qu'effectivement, qu'il a la parole qui doit transformer les gens. Alors, quand ils ont cru aussi cette parole, effectivement, ils ont réalisé aussi qu'effectivement, que cette parole a son action. Et qu'elle est réellement aussi, elle agit en eux. Donc, c'est pour ça qu'ils ont réalisé qu'effectivement, qu'ils avaient quelque chose dont ils auraient besoin pour pouvoir vraiment grandir dans les choses qui concernent Dieu. Et c'était qui, effectivement? Mais c'était des apôtres auxquels le Seigneur avait demandé de pouvoir aller attendre dans la chambre haute. Mais si vous remarquez très bien, dans les Saintes Écritures, dans Matthieu au chapitre 28, c'est là que le Seigneur, quand il est ressuscité, effectivement, il dit à ses disciples une chose. Il dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, vous connaissez cela, effectivement. Et puis il leur dit, et enseignez-leur. Donc, c'est le Seigneur qui leur donne cette commission-là, effectivement, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, effectivement, que les apôtres ne pouvaient pas enseigner quelque chose aux gens sans qu'ils l'aient reçu du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul revient encore. Il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai aussi reçu. Donc je n'ai pas fabriqué quelque chose pour arriver à pouvoir faire l'enthousiasme chez vous, créer l'enthousiasme. Non, 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 non. Mais avant de vous apporter cela, je l'ai d'abord reçu. Et voilà que cet homme ici qui dit que je l'ai reçu, cela lui donne tellement l'assurance, effectivement. C'est important que vous compreniez cela. Parce que vous savez, dans Corinthiens, je crois, Corinthiens, chapitre 11, nous l'avons toujours souvent lu ici, verset 23, il dit, j'ai reçu du Seigneur, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Cela lui donne d'abord aussi l'assurance, et aussi l'assurance aussi auprès du peuple qui entend la parole. Parce que ce peuple, effectivement, il pouvait réaliser que dans les livres de Jean, je crois que c'est de Jean chapitre 17, le Seigneur a eu à pouvoir dire une parole tellement importante que vous connaissez par cœur déjà. Effectivement, il dit, j'ai pris non seulement pour eux seulement, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et ils étaient envoyés pas pour leur dire ce qu'ils pensaient ou autre chose. Non, il leur avait dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc on n'y ajoute pas, on ne retranche pas. Donc vous enseignez effectivement, c'est la vérité cela, ce que moi je vous ai prescrit. L'apôtre Paul, si vraiment il était un envoyé du Seigneur, il devait être sur la même base. Donc je ne peux pas vous prêcher autre chose que sans que vous l'ayez reçu. Donc il faut d'abord que je reçoive. Ah, vous le recevez de qui? Mais du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donc enseigné. C'est pour ça qu'il pouvait se tenir debout. Mais là, il avait vraiment l'assurance d'autorité. Il dit, quand bien même un ange descendrait du ciel. Donc l'homme avait l'assurance. Il dit, même si un ange descend du ciel et vous enseigne autre chose que moi je vous ai enseigné, alors qu'il soit maudit. Pour qu'un homme dise cela, il faut qu'il y ait l'assurance que ce qu'il a enseigné vient de Dieu. Alléluia! Parce que ce qui vient de Dieu, ce qui va vous transformer. Oui, mon frère, parce qu'il faut la vie de Dieu en soi pour que la chose s'accomplisse. Parce que la Bible nous fait de Dieu. Il dit, je vous dis seulement un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pour que nous soyons changés, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu en nous. Alors qu'est-ce qui doit être en nous? Ce que Dieu a donné. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, c'est absolument nécessaire. Il faut que nous soyons sûrs de ce que nous recevons et que la personne qui prêche aussi soit sûre de ce qu'il prêche.
et sur quoi il s'est pendu. Alléluia. Gloire à Dieu. Autrement, il fait un travail inutile. Lève-nous, frères. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée, mon bien-aimé Père, oh Dieu, de demeurer dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père, puissant Dieu, de recevoir la grâce que tu nous as donnée, Père Saint-Dieu, de réaliser que tu es vraiment le Dieu qui conduit ton peuple, mon Sauveur. Nous voulons ta voix, nous voulons seulement entendre ta voix, Seigneur. Mon frère a besoin de toi, parce que ces jours-là, ma sœur aussi a besoin de toi, parce que ces jours-là, et les changements viennent de l'intérieur. Bien-aimé Père, puissant Dieu, il faut que seulement ta parole à toi, qui ramène le peuple à la perfection. Alléluia! Gloire, honneur à toi, Père. Mon frère a besoin de toi. Pas de fable, Père. Ma soeur a besoin de toi. Pas de fable, mon frère. Mais mon frère et ma soeur ont besoin de ta parole, Père. Oh, Dieu du ciel, nous voulons te dire vraiment merci. Parce que tu n'as pas changé, mon roi. Nous voulons pas perdre notre temps à des histoires, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais nous voulons persévérer. Oh Dieu, il avait la sagesse, ses hommes, mais pas du puissant. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient confiance, Père du puissant Dieu. Parce qu'à ces hommes-là, Dieu leur avait donné, Père Saint-Dieu. Et c'est la vérité, mon bien-aimé, Père du puissant. Partout où ils passaient, mon bien-aimé, Père Dieu. Ils avaient la commission. Ils avaient ta parole, mon roi. Et ton peuple était béni. Et ton peuple était heureux, Seigneur. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, Père du puissant. Ils avaient la parole divine de Dieu, Père Dieu. Oh, quelle paix. Oh, quelle assurance, mon bien-aimé, Père puissant. Nous te demandons grâce. Sois avec nous, Père, et conduis-nous encore, mon Sauveur, et soutiens-nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que c'est cela qui nous permettra de pouvoir entrer. Oh, c'est cela qui nous permettra, comme la Bible dit, Père Tibissant, à la voix de l'archange, au son de la trompette. Merci, Sauveur béni. Oh, nous te demandons grâce, mon roi. C'est vrai, dans ces temps du soir, nous avons besoin de nous donner encore davantage à toi et de revenir vraiment totalement et complètement à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, par ta parole vivante et puissante, mon roi, qui transforme les hommes, Seigneur. Oh Dieu, dans ces temps, nous en avons besoin, Père. Reste avec nous, notre Dieu. Reste avec nous, mon Sauveur, bien-aimé Père Tibissant. Tous nous avons besoin de toi, Père oh Dieu, de pouvoir réaliser, Père Saint-Dieu, oh combien c'est tellement si important comme nous l'avons aussi entendu et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Merci, merci notre Dieu. Merci encore pour ce soir. Merci pour ce peuple qui est venu de loin comme de près. Merci encore pour ces heures et ces moments, Père Dieu. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer dans l'enseignement des apôtres, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons persévérer dans ce que toi tu nous donnes, mon bien-aimé Père Tibissant. Et que nous avons aussi reconnu comme certaines, mon bien-aimé Père Dieu. Parce que nous savons de qui nous l'avons reçu, Père. Aidez-nous, Père Dieu. Soutiens mon frère. Soutiens aussi ma soeur, mon bien-aimé Père Tibissant Dieu. Afin qu'il ait confiance et foi en toi, mon Père. Merci pour ce que tu fais. Merci. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci pour ton amour et merci aussi pour ta bonté. Garde ceux qui sont à toi et ta sémence, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils sont à toi et leur désir ce que tu agisses encore aujourd'hui, Père, dans la vie de tout un chacun, dans le cœur de tout un chacun, Père Dieu, afin que nous puissions être un, comme tu l'as dit, sur les désirs de chacun, Seigneur. Ce qui nourrit, ce qui transforme, ce qui amène dans ta présence, pour que nous puissions vraiment, Père Saint-Dieu, être préparés. À toi la gloire. Oui, merci, Père. Merci, mon bien-aimé Père. Merci, Père Saint. Merci, mon Père. Gloire te soit rendue. Honneur à toi. Toi qui vis et qui nous conduis encore en ces jours, mon Sauveur. C'est toi qui transforme nos vies. Nous avons ce désir. Merci, Père Saint. Merci, mon Sauveur béni. Louange et honneur à toi. Merci. Merci, merci pour tout, Père. Garde ton peuple et soutiens chacun de nos pères. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia.
Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Je le Je le retirerai encore.
Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Jésus-Christ, mon roi. Béni sois-tu, notre Dieu. Nous voulons être un seul cœur, un seul esprit, une même âme, Seigneur Jésus. Oh, Sauveur béni, alors que tu reviens bientôt, Seigneur, puisses-tu nous préparer. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, d'être agréable à toi, notre Dieu. Nous voulons être réellement disposés devant toi. Des vases, Seigneur, des vases réellement, que toi tu saisis, Seigneur. Des vases, Seigneur, que toi tu utilises, mon roi. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta vie, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton onction. Jésus-Christ, mon roi, inonde nos cœurs, Seigneur, de toi, notre Dieu. Que ta puissance, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit tombe réellement dans nos cœurs. Nous voulons être changés. Nous voulons être transformés. Nous voulons nous débarrasser, Seigneur, des choses du monde, mon Dieu. Que la vie de Jésus puisse être en chacun de nous. Seigneur, déverse ta puissance. Seigneur, déverse ta présence. Seigneur, déverse ta parole. Oh, la même foi, une même âme, un même esprit. C'est ce que nous désirons. Un seul homme, Jésus-Christ, mon roi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce que nous voulons, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, la puissance, Seigneur, l'autorité, notre Dieu. Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Secoue-nous, Seigneur Jésus. Secoue-nous, Dieu le puissant. Oh, ta puissance est ici. Ton onction est là, Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu confirmes ta parole, Seigneur. Oh, c'est toi seul qui confirme ta parole, notre Dieu. Seigneur, sois loué, notre Père. Sois glorifié à jamais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Pour ta puissance, de Dieu qui libère. Elle est ici pour transformer. Seigneur, transforme ma vie. Elle est ici pour transformer. Seigneur, transforme. Ton onction est là, je me confie.
Ton onction est